Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir en vélo jusqu'à la mer. Donc aujourd'hui la sortie c'est une sortie plutôt plate, on part donc pour 120 km, il y aura donc environ 50 bornes pour aller au bord de mer, 20 bornes de bord de mer, puis on rentrera tranquillement vers Nantes. En tout cas, le but c'est de faire une belle sortie d'endurance en environ 4 heures. L'occasion pour moi de vous parler de la toute nouvelle caméra de chez Insta360, la Go 3S. Elle est là depuis le début. Cette toute petite caméra qui filme en 4K et qui va pouvoir nous accompagner sur toutes nos sorties. Et avant que la vidéo ne commence, je vous invite à liker la vidéo, c'est toujours aussi important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube, et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette review. Effectivement, c'est la première fois que je parle d'un matos qui n'est pas du vélo, même si ça sert pour nous, les cyclistes. Donc je suis très curieux d'avoir vos retours dans les commentaires. Effectivement, cette toute nouvelle caméra, elle est petite, légère et super pratique parce qu'elle est aimantée et vous pouvez donc la coller absolument n'importe où. Ce qui permet donc d'avoir des points de vue qui sont juste uniques. Pour allumer la caméra, c'est tout simple, il suffit d'appuyer dessus, hop, et ça y est. Ça filme, rien de plus. Donc autant vous dire que sur une sortie vélo, c'est juste hyper pratique. On peut dégainer hyper rapidement. S'il se passe quelque chose, vous voyez, hop, vous appuyez une fois et ça filme, tout simplement. Vous appuyez une deuxième fois, c'est terminé, c'est enregistré et vous pouvez partager ça à vos amis. De par sa taille et sa forme et la possibilité de la mettre sur son torse de cette manière-là, on a vraiment une caméra qui est prévue pour avoir des POV qui permettent vraiment de voir ce que vous voyez. On voit vos bras, on voit vos mains, on vous voit piloter sur votre vélo et vraiment, c'est un point de vue qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. C'est donc trop génial de pouvoir partager ces sorties vélo de cette manière-là. 68 km restantes, on est quasiment à la moitié de la sortie et doucement, on arrive au bord de mer. Ça sent la mer, tout simplement. Il y a pas mal de vent, évidemment plus on est au bord de mer, plus c'est venteux. Mais plus que ça, vous pouvez aussi partager votre quotidien, les à côté du cyclisme, et même la porter de façon discrète si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise pour filmer. Cette Go 3S, elle est vendue avec le pod, évidemment. Vous pouvez mettre la caméra dedans, ça sert à recharger la caméra, avec ça vous avez plus d'autonomie, et aussi un écran qui est lui amovible, et qui permet comme ça de se vloguer et de voir ce que vous filmez. Donc ça peut être aussi très pratique en fonction de ce que vous avez besoin de filmer. Grâce à son écran, vous pouvez aussi changer les modes, ou tout simplement avec votre téléphone si vous préférez. Et comme ça, vous pouvez vous vlogger en voyant ce que vous filmez, et par conséquent, vraiment être sûr d'être dans le cadre, mais de toute manière, avec le grand angle, vous êtes dedans. Et franchement, pour vlogger à vélo, c'est juste hyper pratique. En plus de ça, il y a plusieurs modes. Vous pouvez filmer en horizontal, en vertical, ou les deux à la fois, avec le mode vidéo free frame. En fait, ça enregistre tout. Et après, sur l'ordinateur ou sur le téléphone, vous pouvez choisir d'avoir une vidéo verticale ou horizontale. Donc si comme moi, vous faites des vidéos sur YouTube et sur Instagram, bah moi je mets le mode vidéo free frame, comme ça enregistre tout. Et après au montage, je peux exporter la vidéo en horizontale pour YouTube, en verticale pour Instagram, et comme ça, je suis refait. Et sur cette toute nouvelle caméra, la Go 3S, on a donc de la 4K. Sur une si petite caméra, sincèrement, c'est juste bluffant. Et en plus de ça, ça donne vraiment une qualité d'image qui est vraiment super. De toute façon, vous voyez à l'écran, c'est juste génial pour partager ces sorties. Ils sont en train de réparer le câble électrique, là. J'ose pas rouler dessus. Non, c'est le téléphone. Aïe, pas de soucis. C'est bon? Oui. Allez, je passe. Moi, je dis, j'ai peur de toucher le fil, parce que ça va m'électrocuter, il me fout dans la gueule. Et avec cette caméra, il y a des nouvelles options qui sont sorties, dont la vidéo intervalle. C'est une option qui va être très utile pour nous cyclistes, parce qu'en gros, tu lances la caméra, tu la paramètres au préalable en disant que les intervalles, ça va être filmé 5 minutes toutes les 10 minutes, par exemple, et ça va enregistrer tout seul 5 minutes, éteindre la caméra, puis enregistrer 5 minutes après. Enfin, vous pouvez tout configurer, et ça permet comme ça de filmer beaucoup plus longtemps, parce que vous ne filmez pas en continu. Et en plus de ça, bah vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Vous savez que ça va filmer régulièrement tout au long de la sortie. Et à la fin de la sortie, la caméra avec l'application va tout fusionner, choisir les meilleurs moments. Et avec l'IA, bah ça vous fait un petit montage, récap de votre sortie. Ça, c'est hyper pratique, rien à faire. Il n'y a plus besoin de penser à filmer, il n'y a plus besoin de faire le montage. Tout est automatique. Donc franchement, là, si vous ne savez pas trop et que vous êtes débutant, il n'y a pas mieux. Nouvelle option avec cette caméra qui vient juste de sortir, on a le Apple Find Me. C'est-à-dire que si vous perdez la petite caméra qui est effectivement toute petite, si jamais vous la perdez, eh bien avec votre iPhone, vous pouvez la lier et comme ça, vous pouvez retrouver la caméra. Ça vous dira où vous l'avez perdue et ça, pour le coup, c'est plutôt pratique. Il y a pas mal d'accessoires qui peuvent être ajoutés à cette caméra et il y en a un qui est hyper utile, c'est celui-là parce qu'il a plusieurs fonctions. Dans un premier temps, vous pouvez le clipser sur une casquette et avoir un point de vue POV au niveau de la tête. Pour nous cyclistes, ça peut être pas mal, mais moi ce que je préfère le plus, c'est qu'en fait on peut mettre ça donc sur le collier aimanté, on met la caméra juste ici, et ensuite on peut choisir l'angle
en fonction de comment on est penché sur notre position de vélo. Et comme ça, on peut choisir l'angle et ça évite de filmer trop bas ou trop haut. Et bien là, avec le choix de cet angle, on peut donc choisir la position parfaite qui permet d'avoir le point de vue des mains, mais aussi tout le paysage. Parce que si vous mettez directement la caméra, vous allez avoir tendance à filmer le sol. Et ça, c'est pas top. Donc la petite astuce, c'est vraiment ça. Depuis que j'ai découvert ça, je suis refait. Au niveau du collier magnétique, par rapport à ses prédécesseurs, on a donc la possibilité de le mettre en vertical et en horizontal. Avant, c'était pas trop possible. Maintenant, c'est fait pour et c'est super rapide de switch. L'aimant, en fait, il va être guidé. Il va nous aider à le mettre dans la bonne position. Ça y est, on voit la mer, regarde. Par contre, j'ai vent en plein poids. Là, c'est fatigant. Autre accessoire, le lecteur qui va donc permettre de mettre la caméra, la brancher comme ça. On sort si on a un iPhone ou un type C. Et comme ça, on peut la brancher directement à notre téléphone et avoir accès au rush instantanément. Et pour le coup, ce lecteur, il est hyper pratique. Parce que comme ça, vous pouvez finir votre sortie, aller boire un café dans un bar. Et vous pouvez directement avoir accès à vos images, faire le montage sur l'application de téléphone, publier votre sortie dans la foulée. Et ça, c'est juste hyper pratique. Et en plus de ça, si vous avez beaucoup filmé et que vous avez dépassé les 128 Go internes de la caméra, eh bien, vous pouvez vider cette caméra sur votre téléphone et pouvoir repartir pour un tour. Mais bon, pour remplir les 128 Go, déjà, faut pas mal filmer. Bon, ça y est, je suis arrivé à la moitié de la sortie. On est à la mer. Il n'y a pas de mer, c'est marée basse. Bon bah on aura presque vu la mer aujourd'hui, je vais mettre ça dans le titre, on va presque à la mer. Dans l'application Insta360, il y a un short lab qui regroupe pas mal d'astuces afin d'utiliser la caméra et le montage de la meilleure façon possible. Et de toute manière, avec les IA, si vous n'êtes pas trop doué en montage, vous avez des options qui vous permettent de laisser faire l'IA et du coup elle fait toute seule le montage. Elle choisit les meilleurs moments de votre sortie, par exemple pour nous cyclistes, et a fait le montage tout seul, ça vous sort la vidéo finale et vous n'avez plus qu'à la publier. Allez, là, il y a les glaces de la Fraiserie, là. Je vous avoue, il serait 13h, 14h, je me serais arrêté en prendre une. Dernier accessoire, on a le pod magnétique qui, lui, du coup, va pouvoir se coller un petit peu partout. Et d'ailleurs, vous pouvez tout simplement mettre la caméra dessus. C'est aimanté, c'est super simple, hein, franchement. Et du coup, vous pouvez mettre comme ça, bah, par exemple, sur une voiture pour faire des points de vue vraiment hors du commun. Et vous pouvez choisir les angles. Si vous voulez vlogger, vous pouvez coller ça sur votre cuisine pendant que vous cuisinez avant la sortie. Bref, ça donne tout plein de possibilités créatives. Et sincèrement, c'est juste trop génial. Bon allez, il reste 50 bornes. On quitte le bord de mer pour retourner dans la campagne et direction Nantes. Si comme moi, vous aimez faire du montage et vous voulez plus de possibilités et pousser un petit peu plus loin votre vidéo, vous pouvez télécharger le logiciel Studio d'Insta360 qui permet de pousser un petit peu plus loin en choisissant les réglages de stabilisation, en choisissant le point de vue, vertical, horizontal, où il y a plein d'autres options, les couleurs, les zooms, les flous, bref, c'est un vrai logiciel de montage. Comme ça, vous pouvez custom un petit peu vos vidéos et après aller chercher vraiment du montage un peu plus poussé vis-à-vis de l'application mobile. J'ai soif. Oh non! C'est fermé. Ah, j'ai le seum, j'étais à sec. Et il y a un truc qui est trop cool pour nous cyclistes avec les caméras d'Insta360, c'est qu'elles peuvent utiliser l'option GPS et vous afficher à l'écran toutes les données de votre sortie ou de votre compétition. Et ça, c'est trop stylé. Comme dans mes vidéos de course que vous pouvez voir, on peut vraiment tout afficher. Et ça, c'est hyper pratique. Et pour ça, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez votre compteur GPS, comme nous, on a l'habitude en tant que cycliste, pour importer les données et les mettre sur l'image. Et c'est juste incroyable, ça fonctionne trop bien. Soit vous utilisez le GPS de chez Insta360. En gros, c'est un truc comme ça, c'est tout petit. Vous avez le support, vous mettez le GPS dedans, vous mettez ça sur votre guidon, ça va enregistrer toutes les données GPS et ça va faire le link entre votre caméra et la vitesse et toutes vos petites données. Et comme ça, vous pouvez afficher à l'écran directement les données de votre sortie, directement via votre téléphone, zéro montage, tout est automatique. Et ça, franchement, c'est vraiment génial parce que vous êtes très nombreux à me demander comment je fais pour ajouter des données. Moi, je fais ça sur un PC d'habitude, très complexe, c'est une grosse galère. Là, maintenant, grâce à Insta360, c'est automatique, c'est hyper simple. En plus de ça, je trouve ça vraiment joli et vous pouvez faire ça avec uniquement votre téléphone. Donc vraiment, vous finissez votre sortie, vous allez boire un café, vous récupérez vos rushs avec le rider,
vous récupérez les données GPS avec le GPS, vous mettez ça sur votre téléphone et vous avez votre vidéo qui est montée avec les données GPS et prête à publier. Bon bah voilà, fin de sortie, 120 km tout pile, 4 heures à 30 de moyenne. Sortie parfaite. Bon, comme vous l'avez compris, je suis assez convaincu par cette caméra parce que je la trouve hyper pratique et pour le coup, sur des sorties vlog, entraînement où on n'a pas envie de se prendre la tête avec une grosse caméra, eh bien c'est juste idéal. En plus de ça, maintenant elles font de la 4K, malgré la toute petite taille, c'est juste incroyable. Donc pourquoi s'embêter avec des grosses caméras quand on peut avoir un produit aussi petit, pratique? On ne le sent pas, on ne le subit pas. En tout cas, si ça vous intéresse et que je vous ai un petit peu convaincu avec ce produit, eh bien, je vous mets le lien dans la description. C'est un lien affilié. Donc, si jamais vous achetez une caméra chez Insta360, que ce soit la Go 3S ou n'importe laquelle de leurs caméras, eh bien, ça m'aidera à développer la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous remercie par avance si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette caméra. C'est la première fois que je fais une vidéo un petit peu review de matos qui n'est pas du matos vélo, même si on s'en sert sur le vélo, c'est un petit peu différent, donc c'est marrant d'avoir vos retours, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de course, ça arrive très bientôt, bye bye.